Salut, ici Gide avec Opixel Prêt. Aujourd'hui, c'est le 21e jour de mon défi de 30 jours de design avec Webflow. Et comme hier, j'ai continué la reproduction de ce site. Ici, donc, c'est un site d'avocat assez classe, premium. Donc, voilà le site à répliquer. Hier, j'avais fini cette première section, le header, l'en-tête. Et puis aujourd'hui, j'ai continué et voilà, je suis arrivé ici. Je crois que c'est une icône Elementor, donc je n'ai pas pu la répliquer. Donc j'ai juste remplacé avec une image. Donc voici ce que j'ai. Donc voilà. Ça c'est la section d'hier. Aujourd'hui c'est celle-ci, plus cette section-ci. Donc voilà. La chose sur laquelle j'ai bloqué, c'est surtout l'icône que je voulais trouver comment mettre une icône par exemple de Fantôme. Là, je vais chercher et voir comment trouver une icône identique sans forcément aller chez Elementor. Sinon, à part ça, c'était assez droit au but. Donc voilà. Je n'ai pas eu le temps de terminer le reste, mais peut-être pour demain. Sinon, je vais voir comment modifier ou bien comment optimiser le design de ce site, parce que je remarque que les écrits et tout a l'air compressé, comprimé. Donc j'aimerais quand même lui donner un peu plus d'espace, de marge, mais que ce soit cohérent, que ça reste cohérent et que ça ce soit dans le style de ce site. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et du coup, je vous dis à demain pour le 22e jour.